Vous avez composé le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers. Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel. Urgence pompier. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle parce que je suis sûr que vous avez des urgences plus graves, mais en fait j'ai un canapé coincé dans la cage d'escalier de mon immeuble. Vous avez quoi? Un canapé, on est en train de faire un déménagement, on est deux à essayer de le porter et en fait on n'arrive pas. Et on l'a coincé au deuxième étage. Quelle adresse monsieur? Quelle adresse? Qui t'en a ici? 10 rue. Et on n'y arrive pas. Du coup, vous êtes à quel étage là? Le canapé est le deuxième. Et du coup, pourquoi vous appelez les pompiers? Ça, je sais pas qui appelle d'autre pour nous aider. D'accord. Parce que nous, les pompiers de Paris, on a un service d'urgence, c'est pas un service de déménagement. Oui, je sais bien. Et là, vous en comprenez les lignes, monsieur, il y a énormément d'appels. C'est pas forcément judicieux de contacter les pompiers pour un canapé bloqué. Mais je laisse dans l'escalier, qu'est-ce que je fais? S'il est passé dans un sens, il passera dans l'autre. Donc, vous le remontez ou vous changez de sens. Ok, bon. Ok, au revoir. I'll be back.